Regarde ce gars. Il se lave le visage sur ses fidèles. Ouais, c'est maintenant devenu abolition maintenant. Tu te réveilles le matin, au lieu de te laver le visage par terre, tu te laves ton visage sur. Eh mais non, ouais! Maintenant c'est la plante des pieds. Il lave ses pieds sales sur ses dames qui maintenant se frottent le corps avec la même eau. Oh non! Donc quelqu'un est là spécialement pour puiser de l'eau, le main dans la main, et lui à son tour il lave son corps, bien il lave son visage sur ses fidèles. Donc c'est et la tête, le visage et les pieds. Il ne manque plus qu'il puisse laver la bouche et qu'il le verse sur ses fidèles. Mais il ne fait pas de prière. Donc il prend l'eau, se lave le visage et c'est fini. Et ça c'est comme ça, c'est bénédiction, c'est ça? C'est quelle langue il parle même? Je sais pas. C'est pas vraiment audible, mais je connais pas la langue. Oh, regarde cette belle femme avec son enfant. Donc il se lave le visage et le pied sur cette femme et son enfant. Et cette femme maintenant prend l'eau, le remet sur son corps. Non, c'est exagéré ça. Il lave encore les pieds. Regarde même cette tapette. On aurait dit le garçon n'a pas lavé depuis 10 ans. Il ne ressemble à rien du tout. Sa barbe même se ressemble à une barbe qui n'a même pas été entretenue depuis plus de 45 ans. Mais. Regarde les balles d'homme, elle est jolie comme ça, avec de belles tresses. Tu viens te mettre à genoux pour quelqu'un qui se lave le corps sur toi. Et maintenant, même. Oh, maintenant il fait la bise. Et toi, je te vois venir. Hein. Toi, je te vois venir. C'est quelle eau même? C'est l'eau de pluie ou bien c'est l'eau bénie? Donc, si je comprends bien, la puissance de la guérison vient de son corps. Autrement, du milieu, il est une source de bénédiction, c'est ça? Sakaraparan, American. Amen. Amen. Comme il dit qu'il y a plein de gens et que maintenant le reste va rentrer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez ce vieux père de famille, il doit avoir déjà plus de 5 enfants, 4 petits-fils, 4 arrière-petits-enfants. Il dit, il se met à crier, merci Seigneur, avec sa tête chauve là. Et regarde, il se met à genoux, quelqu'un lave son pied sur lui. Et frère, il y a des églises, va prier quoi? Ça c'est quoi cette histoire là? C'est la pauvreté qui fait tout ça là. Ah, ça, on dirait son ami. Tu connais? C'est quelle langue au fait? C'est quoi cette langue là même? Il se met à genoux à son tour aussi. Il est à son corps, ses saletés sur leur corps à eux. Non. C'est agir au fait. Sincèrement, moi, je comprends pas. C'est quoi le deal? C'est quoi le principe du jeu? Moi, ça me fait mal qu'aujourd'hui, au 21e siècle, qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas que. On ne peut jamais réussir, ou bien on peut quasiment rien faire en passant de lundi à lundi dans une église. Et aujourd'hui, les statistiques ont montré qu'il y a plus de maquis, il y a plus de bars, il y a plus d'églises de restauration de réveil en Afrique qu'il n'y a d'hôpitaux. Et c'est quoi le principe? C'est quoi le projet? Faudrait qu'on ouvre les yeux, qu'on comprenne que la religion, les gens utilisent la religion pour nous berner. Des gens se font de l'argent sur notre dos parce que nous sommes un. Ça va. Ça va, je vais en parler beaucoup. Et vous les pasteurs, arrêtez de nous casser les patates. Allez-y travailler comme tout le monde. Arrêtez de vous enregistrer à des gens. Médiglinité.